J'ai trouvé quelque chose. C'est un livre sur la numérologie. Il paraît que le chiffre 8 est symbolique. Et alors, quel est le rapport avec notre problème de chaîne? T'as pas compris? Les maillons d'une chaîne ont la forme du chiffre 8. Or, je dispose de 8 heures pour transmettre ma lettre avant que la chaîne ne soit brisée. Tout commence à s'expliquer. Et le chiffre 8 représente aussi l'infini. Comme par exemple, je serai maudite pour l'éternité si je brise la chaîne. Alors pourquoi tu ne transmets pas tout simplement la lettre? Tu veux que je continue la chaîne? Lily, t'as oublié que t'es princesse invincible? Comment voulez-vous que Mona le vampire, Zapper et princesse invincible se regardent le matin dans la glace en sachant qu'ils perpétuent la malédiction? Non, nous devons nous montrer à la hauteur et combattre les forces obscures du mal. Hé, Thanos, t'es passé où? Je t'ai cherché partout. Oh, il faut que je file. Thanos, allez, montre-toi, sors de ta cachette, je sais que t'es là. C'est la poisse! Il est passé sous une échelle! Charlie! Attention! Hé, toi, le monstre des forces obscures, viens voir par là! Coucou! Je te parie que tu ne résisteras pas à ça! Il faut trouver un moyen de briser cette chaîne et vite! Eh bien, en théorie, le maillon le plus faible d'une chaîne est toujours celui de la base. Charlie dit Thanos, tu es formidable. C'est parfaitement logique. Et je sais qui est à l'origine de la lettre. Dépêchons-nous, il ne nous reste